Je sais pas de quoi vous mouillez. Macron qui va couper l'électricité, ça on l'a vu. Il va couper l'électricité. Comment? Peut-être pas. Apparemment, il y a un représentant de la République en marche. Peut-être pas, qui a me dit. Mais avec, tu sais, avec une assurance, genre, nous, ça fait 6 ans, on comprend pas ce qu'il fait. Confine, pas confine, masque, pas masque. Coupe électricité, pas... Et elle, peut-être pas. Elle a tout à fait compris la République en marche. Elle a tout compris. Comment tu t'appelles? Non. Non, c'était elle. Comment elle s'appelle, elle? Ah, apparemment. Bon, apparemment, t'es connu, Mireille, hein. Mais qui sont ces gens? Et toi, comment tu t'appelles? Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie quand je suis rentré, hein, quand on a annoncé. On l'a dit plein de fois, le nom, monsieur, hein. Suis mon doigt. Tu vois combien de... Alors, je l'ai dit plusieurs fois, je m'appelle Richard. Ouais, je sais pourquoi tu t'es dit ça. Tu t'es dit, mais il a pas une tête à s'appeler Richard. On t'appellera Rachid, hein. Comment? Il s'appelle BD? C'est une soirée particulière, ce soir. Non, mais vous êtes toujours comme ça ou c'est juste parce que c'est ma première fois ici? Alors BD, pourquoi BD, c'est le diminutif de quoi? Bon, apparemment, il y a plus d'humoristes que prévu ce soir. J'ai arrêté de parler avec vous, en vrai. Hein. Il y a des gens... Alors, qui a dit... Vous avez... Comment? On est à Versailles. Bon, allez, je vais prendre des volontaires. Vous allez monter sur scène, hein. Allez, on commence, Mireille. Allez, c'est ça? Allez, on écoute. Donc toi, tu dis on écoute et toute la salle va t'écouter, c'est ça? Mais depuis le début, il fallait le dire. Allez, on écoute. Et c'est des personnes âgées, hein, qui foutent la merde. Tu vois, c'est dans ces moments-là. Dans ce moment-là, je croise les doigts pour que le Covid revienne. Je vais vous dire une chose avant de partir. Vous êtes le meilleur public que j'ai jamais eu de ma vie.